Supportantes in vicem et donantes vobis metipsis, si quis adversus aliquem abet querelam. Sicut et Dominus donavit vobis ita et quos. Super omnia autem et caritatem abete, quod es vinculum perfectionis. Et pax Christi exultet in cordibus vestris, in qua et vocati estis in uno corpore et gratias totum. Verbum Christi habitet in vobis abundante, in omnis sapientia, docentes et commonentes vos metipsos psalmis, Innis et cantici spiritualibus, in gratia cantantes in cordibus vestris Deo. Omnes quodcumque facitis in verbo aut in opere, omnia in nomine Domini Iesu Christi. Gratia sagentes Deo, Frères, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de cordiale piété, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant mutuellement et vous pardonnant si l'un d'entre vous a quelque grief contre un autre. De même que le Seigneur vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Et par-dessus tout cela, ayez la charité, c'est le lien de la perfection. Et que la paix du Christ triomphe dans vos cœurs, cette paix à laquelle vous avez été appelés en formant un seul corps. Soyez dans l'action de grâce, que la parole du Christ habite en vous avec richesse. En toute sagesse, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des chants spirituels. Sous l'action de la grâce, chantez pour Dieu dans vos cœurs. Et tout ce que vous faites, en parole ou en acte, tout cela, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Amen.
consequentia sancti evangelii, secundum Lucam. Cum factum esset Iesus a novum duodecim, accedentibus illis Hierosolimam, secundum consuetudinem diei festi, consumatisque diebus, cum redirent, remansint puer Iesus in Hierusalem, et non coniuverum parentes eius. Existimantes autem illum esse in comitatu, venerunt iter diei, et requirebant eum inter cognatos et notos. Et non invenientes, regressi sunt in Hierusalem, requirentes eius. Et factum est, post triduum in venerunt illum, in templo sedentem in medio doctorum, audientem illos, et interrogantem eum. Tupebant autem omnes qui eum audiebant, super prudentia et responsis eius. Et videntes admirati sunt. Et dixit mater eius ad illum, Filii, quid fecist in nobis sit. Ecce pater tuus et ego, dolentes querebamus te. Et aetat illos, quid est quod me querebati. Nesce batis qui agnis que patris mei sum, oportet me esse. Et ipsi non intellexerum verbum, quod locutus est ad eos. Et descendit cum eis et venit Nazareth, et erat suditus illi. Et mater eius conservabat omnia verba et incorde suum. Et Iesus proficiebat sapientia et aetate, et gratia pudeum et homine. Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. Lorsque Jésus eut 12 ans, ses parents montèrent à Jérusalem, comme c'était l'usage pour la Pâque. Et tandis qu'ils s'en retournaient, les jours de la fête étant achevés, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, et ses parents ne s'en aperçurent pas. Pensant qu'il était dans la caravane, ils firent route pendant une journée, et ils le cherchaient parmi leurs parents et connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent à Jérusalem en le cherchant. Et voilà qu'au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant, les interrogeant. Et tous ceux qui l'écoutaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. En le voyant, ils furent bouleversés, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, ton père et moi, tout affligés, nous te cherchions. » Il leur dit, « Et pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur avait dite. Il descendit avec eux et vint à Nazareth.
il leur était soumis. Et sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus progressait en sagesse, en âge et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Pouvez-vous asseoir pour quelques annonces. Comme vous le savez tous, il y a une explosion qui s'est produite sur le territoire de la paroisse, à quelques dizaines de mètres d'ici, et qui a tué deux pompiers, Simon et Nathanaël, que je recommande à votre prière, ainsi que les dizaines de blessés, dont certains sont gravement blessés, et les dizaines de personnes qui ont été choquées, notamment des personnes de notre paroisse qui ont dû être relogées, leur appartement ayant été ravagé. Si le vitrail qui représente le passage d'évangile que vous avez entendu n'a pas été atteint, en revanche, vous pouvez remarquer qu'un de nos vitraux de l'autre côté, celui de la Samaritaine, a été soufflé par le choc de l'explosion. Alors aujourd'hui, nous accueillons les scouts de Riaumont avec leur aumônier, le père Argouach. On ne va pas leur demander de réparer les vitraux, c'est l'administration qui s'en chargera. Si vous avez lu l'éditorial de la feuille d'information paroissiale, vous aurez remarqué que je fais allusion à un colloque qui aura lieu dans notre paroisse dans 8 jours, samedi 26, autour de Saint Benoît, patron de l'Europe. Et l'abbé Guelfucci et moi-même interviendrons chacun une conférence. Pensez à vous inscrire auprès du secrétariat ou de Madame Dubouchard qui sera à la sortie de l'église pour prendre vos inscriptions. Sinon, dans notre semaine, le prochain catéchisme pour adultes aura lieu le mardi 22 janvier à 20h. Mon cours de patrologie étant achevé avec les derniers pères de l'église du 8e siècle, il va se poursuivre par une présentation de la Bible, c'est-à-dire l'objet, le livre, et également ses méthodes de lecture, en particulier l'interprétation par les pères de l'Église. Ce sera une continuité de mon cours de patrologie. Et le prochain cours a lieu jeudi prochain, 17 janvier. Le cours de latin, simplifié, aura lieu le mardi 15 janvier à 20h dans la salle Sainte-Cécile, comme d'habitude. Nous tenons, et le curé plus particulièrement, à remercier tous ceux qui ont répondu avec générosité, et générosité, ça part d'un euro jusqu'à beaucoup d'euros, à l'appel pour le denier de l'Église, vous savez, qui est la seule ressource de l'Église en France, avec les dons et les legs. Vous pouvez aussi y penser. Et cet après-midi, normalement, deuxième dimanche du mois, il y a un repas au Centre Bergère suivi de la projection d'un film. Mais comme à cause de l'explosion d'hier, la police et les pompiers et puis d'autres services sont en train de vérifier la solidité des immeubles et les destructions possibles qui leur ont été infligées, il n'est peut-être pas sûr que nous puissions encore accéder au 9 rue Bergère. On verra bien si c'est possible. Voilà pour ces annonces d'aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc dans une fête qui devrait nous être particulièrement chère,
puisque c'est la Sainte Famille telle qu'elle nous est présentée par Dieu lui-même dans sa volonté et pour entourer la marque particulière de sa propre nature divine, de sa Trinité, lorsqu'il nous révèle d'une manière aussi profonde sa paternité. Dieu nous donne une image, une ressemblance dans notre propre nature humaine, dans notre propre création individuelle, mais cette personne que nous sommes, ces personnes que nous sommes, sont des enfants d'un Père. Ainsi, lorsqu'il est venu sur cette terre et qu'il nous a fait le don de son propre Fils, il nous a donné le sens même de nos générations. Et aujourd'hui, nous devrions méditer profondément cette paternité divine, cette filiation divine, mais aussi nous tourner vers la vie de Marie et de Joseph, qui ont vécu intensément ce lien particulier de parent à enfant. Alors, nous pourrions, pour cette méditation, et pour nous préparer et nous recueillir, pour recevoir l'enfant Jésus lui-même dans la Sainte Communion, eh bien, partager en trois parties. Méditer le passé, le présent et l'avenir d'une famille, la famille humaine, la famille divine. Mais tout d'abord, un passé plus ou moins éloigné fait que nous comprenons bien l'intention divine de filiation. Car nous sommes en 2019, dans cette année nouvelle, encore en proie à cette décadence, ce délire de certains hommes, de certaines femmes, qui voudraient défaire ce don que nous avons de notre corps, de notre âme, mais de notre corps humain, un corps qui est sexué, un corps qui est masculin et qui est féminin. Et d'ailleurs, dans le malaise ambiant de notre pays, la France, il y a sans doute quelque chose d'un rejet de ce délire. Le délire qui est le fait de personnes qui sont tellement dans leur caprice et dans leur paresse qu'ils inventent n'importe quoi, qu'ils inventent ou veulent réinventer des fausses familles, des faux liens, en rejetant ce que notre corps nous indique, tout simplement avant même une élévation spirituelle, avant même l'âme. Nous soyons des êtres masculins, des êtres féminins, des êtres qui sont marqués en effet par la transmission de la génération dans les siècles passés. Nous sommes tous issus de cet engendrement, de ce rapprochement de ces couples et qui sont solidifiés et fondés dans la volonté de s'unir, dans le mariage. Alors même que ce mariage, à cause du péché, est parfois bien abîmé, que nous pouvons être des enfants nés hors d'un mariage, d'un homme, d'une femme qui se sont rencontrés. Et bien souvent, ces enfants qui n'ont pas connu une famille stable, un père et une mère qui vivent ensemble ou qui se sont séparés, ont été bien souvent plus proches de leur mère, car Dieu a voulu que ce soit la mère qui soit présente, qui soit dans le soin de l'enfant, qu'elle nourrit, qu'elle lave, qu'elle habille, qu'elle corrige, qu'elle encourage pendant
tant d'années de fragilité profonde, à l'image de la manière dont un enfant apprend à marcher, apprend à parler, après avoir observé avec curiosité, après avoir rempli sa mémoire pendant tant de mois, pendant tant d'années. Mais le père lui-même, de par son autorité masculine qu'on ne pourra jamais totalement nier ni détruire, ce père présent va donner cette unité, cette complémentarité de cet homme, de cette femme, avec cette continuité des générations, avec un grand-père, une grand-mère, des oncles, des tantes. Tout cela pour nous dire à quel point nous sommes ancrés dans la volonté divine, dans cette vie terrestre, que Dieu n'a pas méprisée. Nous pourrions être des êtres très spirituels et très saints, mais qui fait l'ange, fait la bête. Nous ne sommes pas des anges. Nous avons un corps, nous avons un visage, nous devons le soigner, nous devons être attentifs à notre santé, comme nous sommes d'une manière instinctive, mais aussi d'une manière si spirituelle, attentifs à la santé de nos enfants, attentifs à la santé de nos parents, attentifs à la santé de ceux qui nous sont chers. Et cela, Dieu nous l'a donné, et il nous l'a donné avec Marie et Joseph, un Joseph qui est père adoptif et qui se soucie de ce bébé, qui n'est pas le sien, mais qui lui a été confié par Dieu lui-même, par Dieu le Père. Un père qui veille sur son divin fils, un père qui demande à Joseph de lui sauver la vie, un père qui demande à Joseph de partir en Égypte, un père qui lui demande de nourrir la Sainte Famille et de travailler, un père qui est Dieu et qui passe par une créature, un père qui est créateur et qui passe par ce qui est fini et humble et faible. Et dans le présent qui est le nôtre, nous pouvons justement, sans trop être mièvre ou rejoindre une certaine fausseté des moments médiatiques, pensez justement aux parents de ces deux pompiers, aux parents de cette femme espagnole en visite à Paris, de ce Simon, de ce Nathanaël, au prénom si biblique, et qui ont laissé leurs parents, un frère, une sœur, des cousins, des cousines et des grands-parents, et qui ont été rappelés par ce Dieu si terrible et si exigeant que bien souvent et depuis des siècles, on essaye de le retirer du cœur de ses enfants. Alors même que ce Dieu, lorsqu'il permet notre mort, c'est pour nous accueillir, pour nous juger, pour nous demander si nous avons aimé, pour nous examiner sur cette charité qui est les liens de la famille, des liens parfois difficiles quand on voit des frères et des sœurs se jalouser, lorsqu'on voit des querelles profondément inutiles, on voit des désirs complètement fous qui déchirent et séparent des couples et font souffrir des enfants. Parmi ces deux hommes, l'un, Simon, avait un enfant de 4 ans. Cet enfant, donc, se tournera vers sa mère pour essayer de comprendre pourquoi cette vie terrestre est ainsi faite. Et la réponse, c'est la parole de Dieu, c'est ces siècles de présence divine, ces siècles de prophétie, ces siècles de miracles, ces siècles de vérité où des saints, des justes, des hommes innocents, des femmes innocentes, des enfants innocents ont laissé cette vie terrestre
pour entrer dans la vie éternelle. Cette vraie vie et cette vérité d'un Dieu qui s'est fait homme, d'un petit enfant qui est né d'une vierge, pour nous étonner, pour nous dire qu'il y a, au-delà de cette vie terrestre, un accomplissement, une promesse, pour que cet enfant puisse grandir et puisse porter sur ses épaules le poids des péchés du monde et le poids des souffrances du monde, mais en même temps nous réjouir de l'espérance, une espérance profonde qui a fait des familles pendant des siècles, des familles qui ont toujours espéré se retrouver et se reformer après les vicissitudes de cette vie. Une espérance qui est fondée sur une révélation, une espérance qui console des âmes qui sont inquiètes, comme un petit bébé qui pleure. Si on se mettait dans la tête d'un petit bébé pour savoir pourquoi il pleure, pas forcément parce que ses dents poussent, mais pour d'autres craintes. Et tout cela, toutes ces craintes, lorsque nous sommes adultes, nous les avons encore de manière différente. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes parfois joyeux ou parfois tristes. Mais où est notre foi? Où est notre espérance? Où est le fait même que nous allons ici dans cette église pour passer devant la crèche et croire que Dieu s'est fait homme? Où est cette espérance lorsque pendant la semaine sainte, nous accompagnons la souffrance de Christ, mais pour nous réjouir au matin de Pâques? Et où est cette foi et cette espérance et cette charité qui animait tant de peuples, et particulièrement le peuple français? Tout cela aujourd'hui, dans cette sainte famille, nous porte vers le futur. Dieu est Père, et sa promesse, ses promesses, il ne les retire pas. Si nous nous ressaisissons, et si nous prions, si nous prenons la résolution dans cette nouvelle année de nous la souhaiter bonne et sainte, de nous souhaiter la santé du corps et la santé de l'âme, nous souhaitons aussi nous rapprocher de Joseph pour comprendre la volonté de Dieu le Père dans cette image d'un homme juste et bon, pour nous rapprocher de cette femme, de cette mère qui nous a été donnée alors qu'elle était debout au pied de la croix. Il nous faut prier le chapelet, il nous faut garder la foi chrétienne, il nous faut garder la foi catholique, il nous faut répandre ces grâces par nos prières sur la France, sur l'Europe, sur le monde et sur la France. Nous devons voir ces âmes, ces personnes inquiètes, retrouver le chemin d'une vie d'union avec le Créateur, leur Père. Il faut qu'ils prient, il faut qu'ils se posent des questions sur leur famille, les relations qu'ils ont eues avec leurs parents, les relations qu'ils ont avec leurs enfants, s'ils sont divorcés, s'ils sont séparés, s'ils ont avorté. Tout ce peuple français, s'ils sont parmi ceux qui sont sur ce sol de France, qui en ont pris la nationalité ou qui ne l'ont pas, ceux qui sont juifs, ceux qui sont musulmans, ceux qui sont bouddhistes, ceux qui sont hindous, qu'ils puissent connaître Dieu Père qui nous a donné son Fils, que nous puissions par ce Père et par ce Fils être vraiment frères et sœurs et vivre vraiment les 10 commandements, honorer notre Père et notre Mère, ne pas nous frapper, ne pas nous insulter, ne pas nous jalouser, ne pas nous voler, ne pas nous mentir. Voilà ce qui constitue une famille, voilà ce qui constitue un peuple, voici ce qui constitue une nation. Une nation, c'est ceux qui sont nés. Nous sommes en Adam et Ève frères et sœurs, mais nous sommes en Jésus sauvés, baptisés, et nous appelons tous ceux qui ne le sont pas à le devenir, au nom des 10 commandements, au nom des 8 béatitudes, au nom de Jésus, enfant, jeune homme, homme crucifié et ressuscité.
demandons à la Vierge Marie, Notre-Dame, demandons à Saint Joseph, protecteur de la Sainte Famille, de l'Église, du corps encore de son Fils Jésus, qui est l'Église, demandons-leur de nombreuses grâces et portons-leur par les litanies de Saint Joseph, par les litanies de la Vierge Marie, par le chapelet, notre offrande. Et pour terminer, puisqu'il y a de nombreux scouts et guides, je leur demanderai, avant le credo et maintenant, de se lever pour prier et chanter la prière Seigneur Jésus, et plus particulièrement pour le repos de l'âme de Simon et de Nathanaël. Veuillez vous lever. Saint-Esprit, ainsi soit-il.
et custum est et cum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratia sagere. Nomine sancte pater omnipotens eterne Deus. Quia cum unit unitus tuus in substantie nostre mortalitatis apparui. Nova nos immortalitatis sui lucere paravi et ideo cum angelis et arcangelis cum tronis et dominationibus cumque omni militia celestis exercitum hymnum gloriae tuae canim sine fine edicente.
recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu. Miserator vestri omnipotens Deus, et dimissit peccatis vestris, traduit ad vos ad vita de peccat. Amen. Nunc sanat solutionem et sanctem peccatum vel populum, vel vobis omnipotens et misericordem. Etiam Dei, etiam peccatis peccatam, traduit ad vos ad vita de peccatum vel populum, vel vobis omnipotens et misericordem.
celestibus refecit sacramentis fac domine Jesu, sancte familiae tue exempla iugiter imitavi, ut in ore mortis nostre occurrente gloriosa Virgine Matre tua, cum beato Iosef, per te in eterna tabernacula recipine reamum, qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deo, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Deus vos omnipotens Deus. Profite de votre présence en nombre avec des parents de scouts et de guides pour vous rappeler que la paroisse assure la formation pour la confirmation qui aura lieu le 16 juin et qui commence le 16 janvier à 20h. Vous pouvez vous inscrire même 5 jours avant, 2 jours avant et à tous les âges. Donc ceux qui n'ont pas été confirmés encore, qu'il n'hésite pas. Donc cela, à la sortie des messes, vous pouvez nous contacter, mais il est mieux de prendre la feuille de semaine et de contacter le secrétariat de la paroisse. Également, donc, si le centre Bergère est occupé, je voulais vous dire qu'en se serrant, puisque un certain nombre devait se voir, en salle Sainte-Cécile, on peut faire quelque chose. Les uns peuvent même monter en salle Sainte-Anne. Donc, gardons les rendez-vous que nous avions après cette messe et que nous puissions progresser dans cette nouvelle année ensemble.